Nous voici au sein de la dimension toute bizarre, Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. On essaie de débloquer les derniers, les derniers personnages. Et je dois dire que dans le coin, c'est un petit peu, chelou, hein. On est dans la dimension démoniaque, là, les ombres. Pas mal d'esprits et des petites questions à répondre. Où est-ce que je suis? Je suis perdu, voilà. On va déjà régler nos problèmes d'activité. Ah, la salle de sport, Geno est monté jusqu'au niveau 100. Avec Monsieur Bison, Saga et une dame que je ne connais pas. Ta-da-da, bam! Voilà. Flouitch et Flouitch. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? Allez, Flying Man. Du rouge, du bleu. Tyrannosif. Du vert. Ah, Chun-Li. Et elle évolue. Faisons évoluer Chun-Li. Ça va être long pour Chun-Li, hein, voyez. Elle va beaucoup moins vite que Tyrannosif et Flying Man. Tyrannosif, il est méga rapide. Du gris. Il y a Camille. Qu'est-ce que j'adore Camille comme personnage. Ma préférée dans Street Fighter. Hop. C'est fini, effectivement. Les aventures, maintenant. Pa-pa-pa-pa. Patatatatam. Pouet. Alors. On va récupérer des petits trucs, voilà. Des PE. Bon, on va repartir à l'aventure. Hop, Monsieur Bulbline. Absol. Ah, je vais pas me prendre la tête. Trace. Ah mince. J'ai remis Absol. Absol, voilà. Et... allez, Metal Sonic. Bon courage. Retour. La grotte. Mission terminée. C'est bien. Ça a été fructueux. Regarde là, lui il est nouveau, le Dark Nut. Flo Rizard. Hydra. Et puis Zinger. Zinger de Donkey Kong Country. Faut que je fasse le 2. Il y a le let's play du 1 complet du coup sur ma chaîne. Et j'ai vraiment très envie de rejouer au 2. J'ai tellement de jeux à finir avant. J'essaie d'être sage, du coup. Vous voyez, je suis très discipliné, là, sur mes let's play. Allez. Plein d'encas, miam, miam, miam. Voilà. Écoute, il y a Mauser. Boss de Super Mario Bros. 2 que j'ai très envie de faire aussi. Imprimide. Spectre. Et on va finir avec Asia. Tout le monde en route. Voilà. Tout ça c'est bien, on a bien bossé. On vérifie les talents au cas où. 66. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Bouclier parfait réflecteur. Bouclier parfait plus facile. Accès à l'entraînement. Améliore le butin. Double smash final, c'est un petit peu... C'est cheaté quand même, mais bon. On va pas se plaindre. Alors, le roi du crépuscule. C'est dans Zelda. Aghanim, c'est le sorcier. C'est Ganon qui se déguise en ce sorcier pour attaquer Hyrule dans A Link to the Past. Ganondorf, c'est le roi des Gerudo. Là, c'est Ganondorf de Twilight Princess. C'est pas le roi du crépuscule à proprement parler. Giraim, lui, ça n'a rien à voir, c'est juste un méchant dans Skyward Sword. Et Xanto, a priori, c'est lui le roi du crépuscule qui a volé le trône à Midona
dans Twilight Princess. Donc j'ai envie de dire Xanto. Saut supplémentaire. Écoute, si tu veux, sautons comme des foufous. Sautons tout partout. Alors, ah, il aime bien les Pokéballs apparemment. Ah bah tiens. Laisse-moi attraper cette Pokéball. Il aime bien téléporter les gens, ce petit filou. Ah mon Luma. Voilà. Bon, j'aurais pu le tuer beaucoup plus vite. Hein. Allez, à moi Xanto. Alors. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Du coup, on débloque un coffre. Très bien. Et il y a un personnage juste à côté. Allons voir. Plein de points d'esprit. Super. Amphinobi ! Un Pokémon. Pas un niveau 99, s'il vous plaît. Vraiment pas autrement? Bon. Eh ben, on y va qu'un niveau 99, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Amphinobi, donc starter haut de la 6ème génération. Qui finit en Amphinobi, donc aux ténèbres. Extrêmement rapide. Doué en attaque. J'aime beaucoup. Avec une attaque signature défensive dans le jeu, mais qui devient une attaque dans Smash Bros. Ok, maintenant qu'il est bien chaud. Amphi. Ah. Allez. Ah non! Non! Bah voilà. Son tatami là. Tiens. Et puis quoi encore? Ah, Amphinobi fait son entrée. On a Amphinobi, on a Dracaufeu, on a fait l'Inferno, on a beaucoup de starters, mais aucun starter plante. C'était un peu injuste. J'aurais bien voulu Archiduc quand même. Ça aurait été cool. Alors, bah très bien. Changement d'équipe. Amphi. Il est où Amphifi? Est-ce qu'il y a sa Shinobi, tiens, Comment dire? Je le vois pas, il est là. Il n'y a pas sa Shinobi en alter ego. Oh, il est classe. J'hésite entre rose et noir. Elle va prendre le noir. J'aimais assez bien jouer avec lui. Donc je pense que ça devrait être assez proche là. J'ai deux chemins possibles. Lequel de ses esprits est un scientifique? Des jeux que je connais par pitié. Adam Malkovich. Krezos. Oh là là. Andros. Quasiment sûr qu'Andros est un scientifique en fait. Ganondorf en gris, oui c'est vrai que ça peut ressembler. Donc Andros, le terrible boss de Star Fox 64. Gravité réduite.
Piou, 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 piou. Allez, que du 99. Anti-changement de gravité grâce à notre ami de Pikmin. Alors, Amphinobi est très rapide. Évidemment, on a un trophée Andros derrière. Alors, faut que je me souvienne de ses techniques. Ouais, que j'évite de faire des bêtises avec. Il a des shurikens normalement. Ces fameux shurikens, donc je te montre shuriken et haut. Voilà, comme ça, on peut charger. Ok. Et il est saoulant, il disparaît quand là derrière? Dommage. Dommage, dommage. Ok, bon, j'ai eu le temps de réviser un petit peu les coups. Tiens, c'est quoi? Il faut pas rester sur place, quoi. Aïe. C'est pas le temps de... Bon, cela dit, avec Amphinobi, c'est pratique hein, de pas être sur place, mais... Parce que comme il est rapide... Mais c'est un petit peu chiant. Non! Quel con. Carrément sauter dedans. Et je pense que c'est la bonne réponse. Hein. Dans mes souvenirs, je suis quasiment sûr que c'est un scientifique qui devient fou, en fait. Andros. Andros, Andros, la force de la folie. Ah, il peut pas retenir son shuriken plus longtemps. Il peut pas le stocker, genre. Vous voyez, il peut aussi s'accrocher au mur en Finobi. Ah, bouge! Sérieux, ça me saoule. Voilà. Ah, les carapaces sont redoutables. Toujours redoutables. Andros qui évolue au niveau 99. Peut-être avec sa tête où il y a juste les yeux et juste dégueulasse où on voit son cerveau, machin. C'était monstrueux, ça, c'était monstrueux. Alors, bonne réponse ou pas? Oui, bien joué. Ah, on dirait le Steel Diver, là, justement. Allons voir là-bas. On a récupéré quand même tous les autres esprits, hein. Il y a un perso. Peut-être avant de le combattre, on va peut-être utiliser un petit peu Amphinobi. Crystal, tiens. On reste dans Star Fox Adventure. Ça va être costaud. Star Fox Adventures, donc qui n'était pas un jeu de vaisseau. Qui n'était pas non plus prévu pour être un jeu Star Fox d'ailleurs à l'origine, mais bon. Dinosaur Planet. Ouais, alors, laisse-moi atterrir. Elle est là, en tant que trophée aide. Sois pas relou. Où est-ce que je suis? Non. Bon, on va réessayer. Mais ouais, elle se laisse pas faire, hein. Enfin, ils se laissent pas faire, parce qu'ils sont plusieurs, et... C'est Fox qui incarne Crystal, du coup. Il reste plus que deux combattants à être annoncés pour Smash Bros. J'ai hâte, du coup. Bon, ça va pas être tout de suite, hein. On va déjà laisser le temps de... aux héros, de... Dragon Quest et à Banjo-Kazooie surtout d'apparaître. Elle me saoule.
Ah, c'est même pas Fox, c'est pas son père, c'est pas Wolf. Ah, mais reloot! Ah bon? J'aurais bien voulu avoir les deux. Oh non, une culbute fatale. Bon, ça me paraît un petit peu difficile pour le moment. On viendra avec un petit peu plus de muscles. Wolf, ah bah tiens, justement. Un peu plus. Bon allez, James McCloud. Non attends, non James, c'est James le père de Fox. Wolf c'est qui déjà? Je sais plus, c'est son oncle? Sa tante? Je ne sais plus. Ah! Mais! Il me laisse pas charger! Petit filou. Oui, il a bien raison, hein, mais. Enfi. C'est Greninja en anglais, je trouve que c'est très très cool comme nom, Greninja. Ah, ça je me fais toujours avoir. Purée, il lance vraiment, dès que je commence un truc, il contre, c'est fou ça. Oh là. Non, je suis trop loin. La honte. Oh non. Ouais, pas terrible. Bon, je joue pas très bien avec Amphinobi, hein. Encore moins bien que d'habitude. Tatsumaki, Senpu, Kyaku. J'ai réussi à le dire. Je peux te dire qu'avec le double smash, on se poserait moins de questions. Ça, c'est l'attaque feinte hein, quand je disparais et que je réapparais. Il attaque vraiment dès que. Mais j'ai pas le temps de. Allez! Et c'est sa grande langue hein, qu'on voit. C'est pas une écharpe. C'est une langue. Non! Non! Oh, mais. Purée! Hein, ça, c'est frustrant. Je suis trompé de bouton. Patate. Double patate, allez. Pour moi c'est bien, je profite d'Amphinobi un petit peu. Il est. Ce qu'il y a c'est qu'il tombe très vite alors du coup je. Tant que je réalise que oh, je suis en train de tomber. Tente-toi. Tiens. Oh.
Voilà, et ben. Wolf fait son entrée, donc un clone de Fox. Taratati da bidou bidou bababou bababididou. Ok, bon. Et ben, rechangement, hein. Ça va vite. Du coup, Jean-Michel Wolf, il est où? Est-ce qu'il l'a mis à côté de Fox ou pas comme c'est? Non. Ah, il le considère peut-être plus comme un Echo Fighter, hein, du coup. Parce que je crois que les échos sont à côté de leur personnage principal. Allez. Wolf. Lou. Lou joue Wolf. Très bien. Alors, je vais pas essayer ça parce que c'était déjà assez galère. Je glisse, je surfe sur le ciel. Alors attends, hey, hop, 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 hop. Je voulais juste voir s'il y avait un autre passage, mais non. Ah oui, je surfe. Renard chenapan. Regarde par là. Ah, et mon Bryce. Disaster Day of Crisis, ok. Il y a des vents violents et le sol qui tremble. Bah oui, bah, on est en plein Day of Crisis, là. C'est... les catastrophes naturelles qui s'enchaînent. Salut Raymond. Fox Fox contre Wolf. Et oh. Ah, le sol. Ça va, tu rebondis? Ah! Bim! Bah non, ils peuvent pas être de la même famille d'ailleurs, Wolf et Fox. C'est un renard et un loup. Loup, il... loup, il atterrit, quoi. Mais c'est bizarre, il me semblait que c'était de la même famille dans le jeu. Bon, qu'importe. Question. Quatre réponses. Quel duo musical fait couler le plus d'encre? Duo musical encre Splatoon? Duo musical... ah! Les sœurs Calamari! Les trois sœurs mages. Tentacool. Ah bah ça va être ça, je pense. Gangster, dame et policier. Je sais même pas de quel jeu c'est, ça. On dirait un peu... à tout à droite, on dirait un mec de YMCA. Et au-dessus, journaliste et catcheur. Ah bah oui, bah c'est les... Tentacool, du coup. Yeah! Formation, ok. Et bien évidemment dans un stage de Platoon avec les personnages de Splatoon. J'ai dit Platoon, je crois. On va directement dans Platoon, oui. Ça change beaucoup, Nintendo. Ils ont vaguement une voix de Yoshi un petit peu. Ah oui, donc là ça va réduire le stage. Alors évite cette attaque, s'il te plaît. Projection. Ah! Voilà. C'était pas trop dur. Les tentacules. Rien à voir avec le Pokémon, hein. Tentacool, Tentacruel. Bonne réponse. Bien évidemment. Allons-y. Un petit encas. Ok. Je sais pas où j'avance. Ah, question. Ce serait un peu chez Bayonetta, là. Lequel de ces esprits est la petite sœur de Chrome? Oh, crotte.
Là par contre ça va être Mist, Lisa, Elise et Lincia. Alors là, là j'en ai aucune idée, j'ai fait aucun Fire Emblem. Voyons voir. Google, petite sœur. Chrome, petite sœur des pauvres. Christine Planté, la petite sœur de Balzac, qu'est-ce que c'est que ça? Lisa est la sœur cadette de Chrome et la princesse d'Ilys. Ok. Donc, qui prend la forme de Marie. Ok. Guérison après chaos. Ils sont deux, c'est pratique. Ça va pas être très dur a priori vu leur niveau. Désolé, j'ai triché, mais j'avais pas le choix. J'aime bien cette attaque. Bouclier déflecteur, ok. Oui, c'est vrai que il se joue assez différemment de Fox. Fox est très rapide. Wolf l'est beaucoup moins et beaucoup plus puissant, je pense. Fox va être un comboteur aérien. Il se soigne, c'est con. Tiens. Voilà. J'aime beaucoup faire ça. Fait en bouteille. Ah, c'est gentil. Une petite fée en bouteille. Ah, les abris pour nous refaire. Voilà. Bon, il n'y a pas de mérite, hein. J'ai triché. Oula. Qu'est-ce que tu me fais, là? Ah, un personnage. Ah, c'est con, j'étais bien avec Wolf. Bon. Eh ben. Ouh, je traverse le monde. Ike. Ok. Eh ben, décidément, James McCloud. Ils m'en proposent de niveau 1, ils sont un peu zinzin. J'ai envie de prendre Porygon pour changer. Allez, viens, mon petit Aikune. Ah oui, j'ai une arme, je me disais, c'est bizarre, il fait pas la même coup que d'habitude. Me la prends pas, c'est pas à toi. Bien joué. Oh la sale bête. Attention, j'ai un bâton magique. Bâton magique d'étoiles. Bah, je peux relâcher quand je veux, donc... Ike fait son entrée. Enchanté, Ike. Dire que je ne connaissais pas Fire Emblem avant... Super Smash Bros. Melee, du coup. Je pense que c'était le cas de beaucoup de gens en même temps. Hein. On l'a vraiment découvert grâce à Melee. Parce que c'était avant la sortie du jeu... En Occident, en Europe du moins. Parce que je suis pas sûr que c'était pas sorti en... aux US. Alors. Hop, formation. Bah désolé Wolf, hein, je t'aimais bien, mais... Je vais te regretter, je pense. Lee Waiku. Apparu dans le deuxième. Ah non, c'est dans le troisième, sur Wii. Oui, c'est Mars dans le deuxième. J'ai... Ouais, t'as bien vieilli entre les deux. On va te prendre en vieux, je pense. Je sais même plus lequel est le vrai. Ike. Ike. C'est bon. En route. Régigigas. 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 Régigigas.
endurance. Attaque adversaire renforcée et rapidité renforcée. Après quelques instants, ça fait écho évidemment à son talent qui l'empêche de démarrer avec toute sa puissance. Dans Pokémon. Oui, Rob, c'est pas mal, hein, je trouve, pour l'incarner Régigigas. Moi, je dis Régigigas. Régice, Régistyle, Régirock. Alors, attends deux secondes, t'as changé de personnage, là. En plus, ils l'ont mis en géant, évidemment. Non. Tu te calmes. Ah salaud. Voilà. Victoire de canard. Super protection land aide à encaisser les coups et résister aux éjections, mais ralentit le combattant. Bon. Ça peut être contrebalancé avec un esprit qui t'accélère aussi, du coup, j'imagine. Pourquoi pas. À voir. Alors, ok. Oh, ça mène où, ça? Ah, pas une autre question. Oh là 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 là. Lequel ces esprits ne peuvent pas être avalés par Kirby. Hein? Waddledoo peut être avalé par Kirby. Whipsy Woods. Ne peuvent pas, hein. Whipsy Woods, c'est un boss, il peut pas être avalé par Kirby. Alors lui, je le connais pas. Scarfy. Oh, trop mignon! Frigorifique. Frigorifique. Bon, écoute, Whipsy Woods, à mon avis, il n'a pas avalé l'arbre. Du coup, on va affronter des sortes de pommes. Des petits Kirby rouges. Un vent violent souffle sur le stage. Ah! Ok, alors attends. Je révise les attaques. Voilà. Mais combien là des sales bêtes? Tiens, moi aussi je peux le faire. Bah, et c'est fini le vent là ou. Non, mais c'est. Ok, ouais, bon. Zboom! Ah non, j'ai lâché le bouton. C'est fini, oui. La mine qui se met juste là. Je crois qu'elle avait explosé du coup. Mais non. Whipsy Woods. Un boss iconique de Kirby, bien évidemment. Oh, un moustillon. La question, elle est encore là. Hein. Bon, je vais déjà passer par là. Oh, Mewtwo. Ok. Mewtwo, Pokémon numéro 150.
créé par l'homme, de type psy. Alors il était pas évident à jouer dans mêlée, il était assez faible je trouve. Il y avait toute une des déplacements assez lunaires, j'avais beaucoup de mal à le jouer. Et il est arrivé sur Wii U en téléchargement. Enfin. Boum. Ah là là, il m'a contré ma banane explosive. C'est fini, oui. Merci. Et là, par contre, ça fait bobo. Sur la pointe de l'épée. Welcome you too. Les colonnes lance. Toujours des renversements de trucs sur les colonnes lance. Alors, Mewtwo. Mewtwo armure qui vient d'apparaître du coup là. Dans Pokémon Go. Bon, évidemment, il n'y a pas d'armure ici. Hein. Je pense que... Ouais, je vais prendre le Mewtwo banane. Mewtwo banane. Et bah dis donc, on change beaucoup de personnages là. Ah, ok. Alors, ils peuvent pas être avalés par Kirby. Lui, j'ai un doute. Toi, tu peux être avalé. Lui aussi, j'ai un doute. J'ai plus de doutes sur... Il me paraît un petit peu gros pour être avalé par Kirby. Allez, on va tenter. On verra. Si on se plante, c'est pas grave. Hein. Ridley. Rare. Aïe. Et tu te calmes, oui. Il est de l'autre côté. Alors attends. Balle ombre. Ok. Je sais pas ce que ça fait. Téléport. Ok. Attends, ça c'est bien comme objet. Non. Alors pas sur moi par contre. C'est mieux. Tiens, meurs. Au revoir. Un objet scarabée contre un scarabée, c'est logique. Bugsy. Alors, est-ce que j'ai donné une bonne réponse? Est-ce que mon instinct a été le bon? Allez, allez, allez. Suspense. Oh non. Crotte. Bah, un frigorifique alors. Pas de sol gelé, s'il te plaît. J'ai eu une hésitation. Mais il y a une tête de gentil, là, le petit frigor. Évidemment, les Ice Climbers. On les a pas encore débloqués, je crois. Qui signent leur grand retour. Hein. Ils étaient absents de la version Wii U, malheureusement. Moi, je les aime bien, ils sont marrants. C'est cool d'avoir deux personnages. Ciao. Voilà. On est équipé d'un congélo comme ça au début du combat. C'est très bien. Alors, suspense. Quoi ? Ah non, eux, ils peuvent pas être avalés. Quand on s'approche d'eux, ils deviennent démoniaques et ils t'explosent à la gueule. Ah, oh, quel idiot. Lou, tu le savais en plus. Mais oui, ils ont l'air tout sympas et puis ils se transforment en petits monstres presque plats après. Mais oui, ah. Oh.
J'aurais dû être plus observateur. Ah bah oui, d'accord. Il a été à 300%, d'accord, ok. Donc ils peuvent pas être avalés par Kirby vu qu'ils ont explosif et tu peux pas les approcher sans que... sans qu'ils te pètent à la tête. Voilà. Ah mince, bah j'ai loupé un coffre, et bah tant pis. Il évolue au niveau 99, peut-être dans sa version justement, ou quand il est méchant. Ah là 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 là. J'ai été nul. Mais ça arrive, hein. Nouvelle question. Lequel de ces esprits a combattu Dracula aux côtés d'Alucard? Ah purée. Gabriel Belmont. Nathan Graves. Trevor Belmont. Kid Dracula. Pas Kid Dracula, je pense clairement. Non. Aux côtés d'Alucard. Trevor Belmont. Allez, on va dire Gabriel. On verra. Donc on est gratifié de deux personnages issus de Castlevania dans cette version Ultimate. Je crois que j'en ai pas encore débloqué un seul. Peut-être un, je sais plus. Ça m'a frôlé. Oula. Oh, trop la classe. Ah, j'aime bien. Je voulais voir sa projection sur le côté. Alors attends. 2 minutes, j'ai vu quelque chose. Ah, salaud. Voilà. Je suis le roi des Pokémon. Alors, est-ce que j'avais raison avec Gabriel? Beau prénom porté par des gens moins beaux. Oh, crotte, crotte, crotte. Putain, j'étais bien parti. Trevor, alors. Allez, on va essayer avec Andros. Au moins, on est sur le niveau de Dracula. En plus, peut-être que c'était ça aussi l'indice, tu vois. Il aurait fallu prendre le niveau de Dracula. Pourquoi on est aussi rapprochés? Ah, c'est pour faire l'effet du niveau... La vue un peu à la Castlevania. J'ai pas changé mes armes. Enfin mes Z. Ah mince! Je le voulais, le bouclier. J'aime bien ça, les petits trucs qui apparaissent comme dans Castlevania, comme dans Dracula. Avec des objets intérieurs à péter. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors attends. Voilà, guérison après chaos, c'est toujours bon quand on a un match à 3. Là.
Eh oh. Ah! Non! Oh! Tu m'as fait louper mon... Mon attaque, enfin mon mamine. Non! Oh là, il y a Méduse derrière. Est-ce qu'elle fait quelque chose? Méga évolution. La tête de Méduse là qui... Trophée d'adverse, genre j'avais besoin de ça. Je ne sais plus qui est joueur, qui est au trophée aide. Bah en tout cas, eux, ils sont aidés par, par Alucard. Hein, du coup. Crotte. Je retente. One last time, et après j'irai ailleurs, sinon. Ah. Ah, shake. J'ai envie de jouer au Carnival of Time maintenant, c'est malin. Ah. Voilà. Mais... Idiote. Ah non, la carapace. Elle m'aurait été bien utile. Oh, une momie maintenant. Tu vas te calmer la vieille relou là. Ah. Attention au trophée aide. Il l'a eu. Non. Oh. Ouh. Oh, dès que j'ai vu la carapace, je me suis dit c'est ma planche de salut. Ok. Fou. Le château de Dracula. Alors, bonne réponse ou pas? Ah, bon bah, moi j'ai pas douillé pour rien. Peut-être un personnage de Castlevania du coup à débloquer. Risky Boots. Ah. Donc, Daisy dans Shantae du coup. Un petit côté vampire, effectivement. Alors, des bobombes vont apparaître du coup. Elle prend la forme de Daisy! Pour son côté un petit peu déluré, j'imagine. Qu'est-ce qu'elle nous fait là? Un truc avec les bombes apparemment. Serait-ce une sorte de pirate zombie?
Aïe. Eh oui, quand tu nages, des fois, tu te fais bobo. Alors. Pas de panique à la centrale. Voilà, simple, efficace, boum. Bobombe. Ah bah, commence avec des bobombes. Ah, on dirait vraiment un vampire pirate, une piratesse vampiresse. Œil qui tue. Ah non, bah le King K. Rool ici. Ah bah on est sur un bateau en même temps. Hein. Ok, pour le côté pirate du coup, je comprends mieux. Oh la musique. Oh K. Rool enfin. Enfin ce personnage que je voulais tant. J'ai tellement été heureux quand ils l'ont annoncé. Ah, cette musique. Enfin pouvoir jouer avec lui. Alors je l'aime assez hein. Perso assez cool. Ta-ta. Oh, je me fais poutrer, hein. Ah. Ça aurait été bien d'avoir son navire à lui aussi d'ailleurs en tant que stage. Mais ils ont fait des niveaux que pour... Oh non! Que pour les nouveaux personnages. Et pour Mario évidemment. Non, Link aussi a eu son... Enfin, la série Zelda a eu son nouveau stage avec Breath of the Wild. Bon, tant difficile de faire sans Breath of the Wild et Super Mario Odyssey. On va essayer de mieux jouer. J'ai du mal à l'utiliser, ce fer létal. Il faut un smash ou... Oui, il peut lancer sa couronne, hein, comme dans le premier combat de... Dans Donkey Kong Country. Il a des armes de façon d'hériter des 3 Donkey Kong Country. Ce que je trouve très cool, le tromblon du 2 et l'hélicoptère du 3. Quand il est en Frankenstein. D'ailleurs, ça aurait été bien en skin d'avoir tout ça. Est-ce que je vais réussir à jouer avec lui? Bonne question. Oh! Sacripouille dans le dos. Eh ben, c'est pas encore tout de suite que je vais jouer avec lui! Oh là là, le contre. M'énerve plutôt qu'autre chose cette épée. Il me poutre. Regarde, je suis Mewtwo Lapin. Une nouvelle forme. Oh là là, il est relou avec son gros bedon. La couronne. Tiens. Oh non, mais... Changeons de formation.
Quelle fripouille. En même temps, je me lasse pas de cette musique. Voilà. Je crois que mon bonus du premier coup porté est assez puissant. Pas t'attraper. Meurs. Crocodile. En même temps, crocodile dans l'eau. Voilà. Il nous a fait un dégagement latéral. Assez impressionnant. Ah, mon petit K-Roll. Ça fait cruel, ça fait cruel du coup. Hameçon de la canne à pêche. Ok, donc par là y'a rien. Arbre des talents. 151, bah tiens. Pif paf pouf. Voilà. Double smash final. Ça va résoudre bien des problèmes, ça je pense. Eh bah dis donc, qu'est-ce qu'on en débloque là? Les personnages, ils ont tous foutu ici en fait. Ils ont dû y avoir plus de temps. On a plus de temps pour faire un monde. Tac, on cale tout le monde ici. Au niveau des couleurs, j'ai du mal à choisir quand même. Alors, on va prendre le blanc. Il y a un côté caca de chien. Vous savez, quand les chiens font caca blanc, ça fait un peu comme ça. Un peu cette couleur-là. Ah, comment il court de manière très... très effrayante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres chemins ailleurs? La question est terminée. Oh, avec ces petites patounes, c'est trop mignon. Bah là je suis pas allé en haut. Ah bah il y avait un autre personnage. Meta Knight. Bah minute papillon, j'ai pas encore pu profiter. Eh bah regarde, t'as loupé ça. Mes points d'esprit. Ah non, je vais profiter un peu de King Carol. Parce qu'il y a d'autres embranchements qu'on n'a pas fait. Regarde, par là. Je suis pas sûr que ça mène à quelque part, mais bon. Défense renforcée. C'est ce qu'on va voir, ma petite. Ta-ta-da. Tiens. Voilà. Hop, riposte. Ça, c'est petit envol. Tromblon. Ah! Ok. La couronne. Oh là, sale bête. Tu vas mourfler. Je t'ai prévenu. Je t'avais prévenu. Bon. Curry extra fort, c'est gentil. Un bon petit curry. Ours polaire. Donc pas de chemin. Élise. On a du temps. Bah on va aller vite. On va essayer. Il regagne de la santé en plus. Et il adore les objets. Bah tiens. 1 minute 30. Attrape-la! Tiens, voilà.
Aluche. C'était pas mal ça. Guérison automatique. Pas mal. Guérison automatique. Attends, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Ça peut m'aider pour plein de niveaux. Le niveau d'empoisonnement, etc. Elincia. Attaque renforcée. Il regagne de la santé quand il est mal en point. Et il est rapide. Bon, tu veux jouer avec Milo? On va jouer avec Milo. Ah, les mêmes cheveux, hein. Ah oui, on reconnaît, hein, les cheveux verts. Comme dans la vraie vie, hein, des cheveux verts, ça arrive. Ah! Tiens! Oh non, c'est pas vrai! Pourquoi je suis lent? J'ai l'impression d'être très très lent. Ah non. Non, c'est juste qu'il est lent, hein, en même temps. Voilà, allez, récupère tes PV, Micheline. C'est pas juste. Tu te calmes, oui. Descends. Descends. Si tu vas morfler si tu descends, je te jure. Ah là là. Sale petite peste. Voilà. Qui évolue Elincia au niveau 99? Bah très bien. Hein. Ça fera des persos à faire évoluer la fois prochaine. Ah, j'aime beaucoup King K. Rool, bon sang. Très agréable à jouer. Ok, et eh ben on va s'arrêter là du coup, hein. C'est la fin de cet épisode dédié à Super Smash Bros Ultimate. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à me soutenir en cliquant par exemple sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Ça vous permet de devenir un membre souscripteur du coup et de choisir deux fois par mois un let's play qui vous plaît. Il aura des épisodes supplémentaires et si vous ne voulez dépenser aucun euro pour moi mais me soutenir quand même, ce qui serait très gentil. Vous pouvez me rejoindre sur Utip, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Donc voilà, merci à tous, à très bientôt pour la suite de Super Smash Bros Ultimate. Ciao.